Salut YouTube! Nous sommes en stream pour tester le speedrun sur Nintendo World Chip NES Edition. Un jeu, voilà, où on va avoir des défis chronométrés, faut faire les meilleurs temps. Et ça initie pas mal au speedrun, je crois qu'il y a 150 défis, un truc du genre, sur plusieurs jeux de la NES. Salut Minigoten et Gen qui sont dans le chat, effectivement, également. Bonjour à vous deux. Enfin, sur YouTube, hein. Alors, entre la fin des années 1980 et le début des années 1990, des championnats NES étaient organisés à travers le monde. Mais il fallait remplir deux conditions pour pouvoir y assister. Pouvoir se déplacer sur le lieu de l'événement et être né à cette époque. Alors évidemment, moi je suis milieu 90, 1996, donc je n'ai pas connu ça. Et puis la première console que j'ai eue, c'était le Game Boy. Avant d'avoir après la PS2. Énorme. Moi je peux faire first avant qu'elle arrive sur YouTube. Effectivement, tu peux. Et faudrait que je regarde aussi pour faire les doubles streams Twitch YouTube. J'ai vu justement, il y a une personne que je suis sur YouTube qui est bien, qui explique les différents plugins. Et c'est avec ça que j'ai découvert bah, du coup le background remover. Donc j'ai pas de fond vert, hein, mais vous voyez que j'ai pas. Il n'y a pas le fond derrière moi. Et le move, les transitions que vous avez eues tout à l'heure. Ok, c'est pour cela que nous avons décidé de rendre les championnats accessibles à tous. Vous pouvez dès à présent participer à des compétitions contre les joueurs du monde entier. Tout ça grâce à Nintendo World Championship NES Edition, yeah. You know, une icône de joueur, bien sûr. J'ai le droit à quoi? Bah voilà, vous avez entre guillemets des aperçus des jeux qu'on va avoir. Donc il y a évidemment Super Mario Bros. Hommage à Dantaria, bien sûr. Legend of Zelda, Metroid... Donkey Kong, même si là on voit pas trop Donkey Kong finalement. Kid Icarus, Super Mario Bros. 2, Excitebike bien sûr, circuit Mario Kart 8. Ice Climbers, Balloon Fight, Super Mario Bros. 3, Zelda 2. Y'a pas un petit Bowser là? C'était le Bowser Day avant hier en plus. Kirby's Adventure, bon, on a quand même pas mal de choses extraordinaires. Ouais, on va mettre Zelda à la pince. Ok, choisissez une devise. L'euro. L'euro, c'est une très belle devise. Génération NES, absolument pas. Mes parents sont de la génération NES, pas vraiment. C'est ma première fois sur des jeux NES, plutôt, oui. Mes jeux étaient étiquetés à mon nom. Tous mes jeux, je les ai terminés. Pas de NES à la maison. Je n'ai jamais retenu un seul mot de passe. Oula, ça, c'est très mal me connaître. Les mots de passe. La blague de prof, franchement, pas mal, quoi. Ça. Perdu toutes mes données de sauvegarde, j'aime jouer un peu de tout, ça c'est pas vraiment vrai, mais ok. J'avais les jeux mais pas de console, je préfère regarder les autres jouer, ça c'est vrai, j'ai souvent fait ça dans mon adolescence. J'ai lu tous les guides du jeu, on devrait avoir le bouton reset dans la vraie vie, alors putain ça c'est bien les vraies phrases de con. je joue trop aux jeux vidéo, j'ai perdu une vie, il m'en reste deux. Voilà, génération Game Boy, oui ça oui, la NES m'a tout appris. J'aimerais travailler dans l'industrie des jeux vidéo, sûrement pas. Je suis une légende, non. Me fais court, je suivrai pas, j'écoute. Tout simple. Ah oui, y a pas de soucis, hein. Vous n'êtes pas obligé de regarder, vous n'êtes pas au otage du stream, bien sûr, vous pouvez le garder en fond. Je vois la frame, bien sûr. Il n'y a que la princesse Zelda dans ma vie. Y a pas un petit... On est certainement tous numéro 1 de quelque chose, ça c'est beau. Ah voilà, je vais mettre ça. Vous pouvez choisir parmi des jeunesses ou Famicom. Vous pouvez changer de jeu à tout moment. Je ne peux pas choisir. J'ai pas vraiment joué à des jeunesses ni Famicom. Ouais. Pouce d'acier. Mais par contre, YouTube, tu peux mettre un pouce en l'air. Ok, donc on a ces fameux contrôles à montre que l'on va tenter aujourd'hui. Les championnats du monde, il me semble que c'est 5 défis qu'on nous donne. Il faut faire le meilleur temps. Etc, etc. En quoi consiste le contre-la-montre? Devenez un pro du contre-la-montre en vous entraînant au défi hors ligne. Vos records personnels seront enregistrés. Vous pouvez utiliser les pièces obtenues dans les défis pour en débloquer de nouveaux. Les versions NES des jeux sont utilisées sauf exception. Certains aspects du jeu peuvent différer du jeu original. Voilà. Mais attendez, il y avait un truc de...
Ah, on m'oblige à le faire. Très bien. Alors, sachez que je ne joue pas sur une manette 8 bits d'eau, mais sur une manette pro. On voit à peine avec le... Voilà. Donc, c'est peut-être pas le meilleur dos à faire. Mais bon. Donc, on va faire Super Mario Bros. Date de sortie 18 octobre 1985. Ça date. Donc, il faut choper le premier champignon du premier monde, du premier niveau. Donc, il saute sur le Goomba, il chope. Donc, c'est le deuxième, hein. Ok. Ça commence bien. Hey 7,83, c'est horrible. Ok. Oh là là, va falloir que je m'y fasse. Hein. Et surtout, comment tu... Alors, ça va être un peu mieux. 5,73. On va essayer d'avoir des S. C'est pas garanti. Ok, on voit mon record personnel. Oh là là. Hop. Oh, ça va être catastrophique. Oh putain. GG trop fort. Non mais vous ferez GG quand j'aurai un S. Là, 5,73, c'est scandaleux. Déjà, j'ai toujours eu du mal à avoir un bouton pour courir et pour sauter. J'ai les doigts qui... On voit que je suis pas à l'aise, hein. We know it. Ah, en vrai, est-ce qu'on peut l'avoir directos? 5,90. Oui, ça va venir. De toute façon, c'est que ça, hein. Si c'est du speedrun. Non, 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 oui. Je devrais peut-être lâcher le bouton. Alors, le problème, voilà, c'est que les jeux Mario, faut courir. Attends, je crois qu'il y a un bouton reset. Ouais, voilà, si on fait LR. Ouais, je fais nimp. Je fais nimp. C'est peut-être pas... Non ! Connard. Ah oui, mais attendez. Ah, attends, faut que je finisse. Vous voyez pas le chrono ? Je suis en train de voir. 17,65, attendez. Je vais déplacer ma cam. Où je la mets pour pas que ça gêne? Je peux la mettre sur le chrono. On va la mettre à gauche là. Là, voilà. Vous allez rien manquer du jeu normalement. Enfin, j'espère. On va voir. Essayons. Ok, ils se sont vraiment inspirés de Life Split pour faire les... Mais non, mais... Peut-être qu'il faut pas courir, hein. Oh. Ah, faut peut-être passer à gauche. Faudrait taper, passer à gauche. Déjà, en vrai, si on a un... Ah, c'est déjà bien, hein. Merde. En fait, je suis pas sûr que partir à gauche soit une bonne idée. On va voir si on peut pas couper le truc de... 5,13. Attendez, on va tester un truc. Est-ce que... Oui, oui, je m'en fous. Dans les paramètres, est-ce qu'on peut enlever... Vidéo du record perso, on compte la montre. Non. Instruction, oui. Afficher l'écran des résultats. Donc normalement, on devrait avoir... Merde. On devrait avoir un meilleur aperçu du jeu. Ah ouais, voilà. Ah, c'est ça qu'on veut. Bon, vous voyez pas mes input manettes, mais est-ce que ça, on s'en foutrait pas un petit peu? 5,50. On arrive à être plutôt stable, en vrai. Merde, merde, merde. C'est énorme ce qu'on vit, hein. Ah, si vous êtes là pour du beau jeu, oui. Mais non, faut arriver à être en dessous de 5. On va essayer de faire le sub 5. Ce serait déjà pas mal. Dites-vous que là, on est en niveau de difficulté normal.
25-20. Non, on arrive pas trop mal. Faudrait trouver un repère visuel où sauter pour être certain. Je fais n'importe quoi. En fait, je pense que le problème, c'est de garder la touche enfoncée. Ah non, mais de toute façon, vous voyez les inputs en bas du... Ouais, alors, je suis désolé, hein, ça va être un peu une vidéo de la lobotomie. 666, bien sûr. On adore. Et merci Kakugan, au fait, tout à l'heure pour le tier, je crois que je te l'ai pas dit. J'ai vu pour Kakugan, mais... Ah, 4,86. Putain, c'est toujours pas S. Waouh, va falloir avoir les timings, hein. En fait, est-ce que rebondir sur le Goomba, c'est pas une connerie? On va essayer de tryhard un peu au maximum, mais j'ai envie de vous montrer un max de choses. Dommage, j'aurais pu... là, du coup, je suis passé sur le D-pad, alors c'est peut-être... pas sur le D-pad, justement. Et 4,53, en vrai... not bad. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas les records du monde. C'est bien d'avoir la vidéo associée. 4,93. Est-ce qu'on va réussir à passer en dessous de 4,5? Merde. Ah, ça y est, je me perds dans les touches. Je me perds dans les touches. Ah, vous allez voir que je suis pas plutôt quelqu'un qui rage. Ça devrait le faire en termes de nerfs. J'ai évité de faire un même niveau pendant 155 ans, hein, bien sûr. Ouais. En fait, je pense que le problème, c'est de maintenir trop le bouton de course. Faut vraiment avoir un timing de fou. J'ai refait exactement le même temps. C'est beau. Là, j'ai pas eu. Ah, c'est fou parce que entre le moment où t'arrives à monter sur la plateforme et si tu laisses tomber le champignon, t'as une seconde d'écart. 4,70 encore, hein. On voit bien les différences de temps, c'est flagrant. Raté. Voilà, ça va être 6 secondes. 7. B++. Oh, ça va être compliqué. Ouh, que ça va être dur. Faut que je trouve vraiment le moyen de sauter bien. Non. 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 Surtout pas. Waouh, là pour le coup. Ne vous inquiétez pas, on va se lancer sur autre chose après. 5-10. Retrouver. Non, du coup. Ou alors je suis en train de penser à quelque chose. Est-ce qu'il faudrait pas faire pousser le champignon, taper le bloc à côté pour qu'il retombe de l'autre côté et sauter? Ouais, non. Ah, si, il y a peut-être de l'idée. Mais faut l'exécution maintenant. Non, trop tard. Non, non, oui. Voilà, le problème c'est que j'ai... Ah oui, non. En fait, c'est risqué comme technique parce que si effectivement le champi se barre, c'est mort. Je tente des trucs, mais
En fait, le truc, c'est qu'en plus, je joue sur... Alors, c'est une hérésie, hein, mais je joue sur le retour OBS. Nécessairement... Je ne joue pas à la frame. Faudrait que je trouve un moyen de... Faire sur PC. Enfin, pas sur PC. Ce que je veux dire... jouer sur mon écran et avoir le setup PC autre part, mais il faut que je branche un PC portable. Bon, bref. Allez, on se refait 3 essais. Et après, on va en faire un autre. J'étais pas en train de courir, donc forcément, ça va être désastreux. 93. En vrai, c'était pas trop mal. Non. 6,40. Non, pas comme ça, Zinedine. Allez, un dernier. On va essayer de retaper dans les 5 secondes, ce serait bien ça. Ah ouais, là il est parti. Ah, perpète. 5,36. Bon, c'est pas trop mal. Ouais. Allez. Niveau 2. Économie souterraine 1, récolter toutes les pièces. Ok. Ça va être plutôt facile, non? Ah oui. 3,48. Ça, on peut faire un S. Ouais, faut bien sauter au bon moment, quoi. Pas 18. De 91, c'est pas mal. Merde, c'est dommage pour la dernière pièce. Ah. Ah. C'est tellement nul. 5,38. Oh non. Ah ça c'est bien à chier ça. Ah ouais. Non, faut pas courir en fait dans ce défi. Hein. En fait, je pense que tu peux, mais... C'est pas mal, ça méritait mieux. Ça doit être 2 secondes 5 le temps. De 65. Et j'ai un peu hésité, hein. Vous l'avez peut-être vu. Oh non. Dommage. .15. On tourne autour des 3 secondes, c'est bien. Oh là 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 là. 98, c'est scandaleux. C'est honteux. Ah, c'est dur, hein. Oh, j'ai loupé la dernière pièce, ça aurait pu être superbe. Oh, dommage. Oh, c'est tellement dommage. Ah oui, je suis désolé. Oula. Je suis désolé, je suis pas aussi foufou que Dante, hein, donc c'est vrai que c'est moins... Pourquoi j'ai hésité? J'ai tellement hésité, c'est nul! Donc oui, c'est pas la même ambiance de 88, c'est bien ça. Non, caché. À chier les bulles, bien sûr! Oh, 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 on n'y arrive plus. Énorme, énorme sec. Ça, c'était bien. Il faut peut-être faire de plus grandes amplitudes. On a réussi à faire 2,65 il y a 14 ans. On n'y arrive plus. Au moins, essayer d'égaler. 3,01. Oh non. Ah, je m'en fous, on va essayer un maximum, hein. Ça, c'est à chier, par contre. Thank you.
31. À la boucle, hein. Vous adorez ça? Oh lolo. Complicated. En plus, il saute à l'envers. C'est génial. C'était pas mal, je me sentais bien dans la run là. Mais bon, comment tu veux faire 2-3-0-3? Je vais pas arriver à faire 2-65. Hein. Je vais plus y arriver. 3-0-5. On reste dans les 3 là. Après, évidemment, hein, il y a des gens qui ont fait des records du monde, enfin des rangs S partout. Ah, vous adorez la boucle musicale là et le bip toutes les 5 secondes là? Le top départ? Moi j'adore. 3 secondes flat. Le 85. En fait, faut vraiment faire des micro-sauts. Ça, c'était à chier. Oh, mais en fait, il avance tout seul! OMG. 2 secondes 16. Énorme. Le premier S. Mais il saute vraiment tout seul? Attends. Je vais tester. Merde. Ah oui, là, il garde son inertie. Ouais, une espèce d'inertie, ok. Bon, en tout cas, on a réussi à faire un S. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bravo à tous. Ensuite, troisième défi. Monter des marches. Atteignez le drapeau. Bon. Je pense qu'il y a... Ça devrait le faire. Ok. Oh là, je me suis fait bloquer. Ah ouais, je me prends toutes les marches là. 8-20. Ah ouais, va falloir sauter de manière très précise. Ah dommage. Ouais. C'est chaud parce que là tout est question de timing pour éviter de se prendre tout. Oh, oh, oh. Oh, ça a chier, mais j'aime bien faire mes essais jusqu'au bout. Oh, ça c'était pas trop mal. On s'est pas fait bloquer par une marche. Ah ouais, ça c'est bien ça. Ah, dommage. Oh, c'est... Oh, oh, c'était bien, on avait réussi à monter sur la barre, là. Merde. Eh ben, le truc, c'est qu'il faut pas coller. Oh, j'ai les mains super moites. Ça chie, j'ai pas touché le drap. Ma vie est dégueulasse. Oh, ça c'est bien. 5,53. Ah, probablement que ça doit être 5 secondes le record. Enfin, le S. C'était bien ça. C'était super. Ah, dommage, j'aurais dû relâcher avant. Ça, c'est à chier du coup. Et on avait fait 5 secondes 6 quoi. 0,6, pardon. Dommage qu'on s'est fait attraper le bloc. Merde. Ouais, oh.
faire chier. Oh, je suis un mec à chier. Je vois pas les frames. Je vois pas les frames en... Je suis en train de me défoncer les doigts parce qu'évidemment, je suis tellement peu habitué à jouer comme ça avec A et B. Que du coup, je mets mes mains dans des positions pas super super. Et du coup, je souffle déjà des doigts. Que je comprends. Merde, je vais pas quitter. On va essayer de faire ça un peu de manière plus naturelle. Ah, c'est dommage, c'était bien. 5-5-5. La lobotomie! J'ai fait n'importe. Non, je voulais pas quitter. Ah ouais, du coup, je mets... c'est ce que je vous dis, je mets mes doigts comme de la merde. Et donc, forcément... Je peux plus pas... J'arrive pas. Je suis obligé de... Oh. Bah, en fait, je vais me péter les doigts avant la fin de... avant la fin du stream, hein. Parce qu'en fait, je vous montre, hein. C'est horrible ce que je suis en train de faire, hein. Mais, regardez. En fait, normalement, il faudrait tenir... sa manette genre comme ça pour pouvoir appuyer, sauf que moi j'y arrive pas, du coup je suis comme ça, je mets mon pouce sur A, l'index sur B et du coup je me nique les doigts nécessairement. Aïe aïe aïe, petit café. C'est vrai que je m'en suis fait un en lançant le stream, je l'ai pas bu. Ah mais moi c'est Spyro partout, hein. Allez, retournons au jeu. C'est Spyro partout, hein, dans les tasses, dans le porte-monnaie, en poste, en figurine. 633. Ah mais même dans cette position-là, je me sens pas à l'aise. Ah 5-5-5 encore. Vous voyez, j'appuie sur B. Vous en faites pas, on va y arriver. Oh, les escaliers de... En fait, faut trouver un moyen pour pouvoir réussir à le passer sans... Je me suis pris le tuyau alors que... Peut-être... Pas tout le temps être à droite, mais peut-être donner des à-coups. Des à-coups, comme Crash Bandicoot. Je sais pas comment passer cet escalier de manière optimale. Ah ouais, on va y arriver. Don't worry, be happy. Ça c'était pas trop mal. Le problème c'est qu'on s'est encore fait coincer par la barre. Le Toyo. Il s'est pris le Toyo. Oh oui! Oh oui! Oh, c'est dommage, j'avais plus d'inertie. Mais c'était bien. C'était super. J'ai chié. On rappelle que SMP, ça. J'ai chié. Oh putain! 76. On n'y arrive plus. Là, à faire 5,55. Oh, bloqué par l'escalier. 7 flat. Mais en vrai, c'est déjà bien qu'on ait réussi à faire un S, hein. Je vais essayer d'arrêter de sprint au niveau de l'escalier. Merde. Genre là,
Plus de sprint. J'appuie sur juste sur A. Ouais. Pas fou. Not fou, not fou. Ça c'est bien, mais le problème c'est que on se fait toujours bloquer. Là, ouais. Donc du coup, ça nous fait perdre de précieux dixièmes. Parce qu'en vrai... Merde. En vrai, je pense qu'on est sur une route pas trop mal pour faire du sub 5. Qui, je pense, c'est le temps en S. Je sais pas, on a pas accès à, cette, à ces infos. Ouais, c'est... Oh là, c'est vraiment Papy Land, hein. Super Papy Bros. Oh non. Pas comme ces Zinedine. Oh, c'est dommage, c'est dommage. Ce 5,55, c'est vraiment où on se prend le l'avant-dernier bloc. C'est 0,8, mais j'ai relâché le sprint, je crois. Oh, 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 ça va être à chier. Oh, 7 secondes, là. Oh oui. 7,38. Allez, 3 essais encore et puis on s'arrêtera là. 5,06, c'est déjà pas mal. En vrai, si on peut au moins atteindre le rang A à chaque... Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Oh, c'est dommage qu'on puisse pas, genre, sauvegarder ça, histoire de voir. Il n'y a que notre record personnel qui est sauvegardé. Mais ça, c'était pas trop mal. Oh... Je pense qu'il faudra que je regarde les vidéos. Ouais, 6 secondes. Allez, dernier essai. Après, on tente un nouveau défi. Je vais essayer de pas trop rester à chaque fois focalisé sur un défi trop longtemps. Parce que déjà, c'est pas bon. Et puis bon, vous allez vivre une boucle à l'infini. Donc c'est peut-être pas super bien aussi. La foire aux questions. Frapper 5 blocs. Point d'interrogation. Ok. Bon. Ok. Oh, faut pas courir. Déjà, faut pas courir. 8,35, ça a chié, bien sûr. Non, c'est bien. Mention A ou mieux au défi fort aux questions. Non, en vrai, A c'est déjà bien. Mais S, évidemment. Better. On est à chier. Ah, je suis pas sûr que le speedrun soit fait pour moi. Bon, après, c'est tout est question d'entraînement, évidemment, hein. Ah, je me vois pas faire speedon ou la GDQ un jour, quoi. Je préfère regarder les événements, c'est déjà pas mal. En vrai, je pense que c'est pas trop mal comme strat de faire 1 sur 2. Oh, le... Dommage, ça peut être bien. Faire 1, 3, 5, 4, 2. Mm-hmm. C'est difficile à viser en fait, hein. Vraiment un setup de fou. Ça par exemple, c'est pas trop mal, mais... Il doit y avoir plus optimal parce que quand même on le fait... Ça, ça a l'air d'être une strat 4 secondes tiers. Ah, 3,75, c'est mieux. Peut-être qu'il faut faire sub 3. 4. Ah, 3,73. On y arrive, ça, on commence à tourner autour des 4 secondes. Mais faut vraiment définir où est-ce qu'on va sauter. 5,15, mais c'est les Goombas. Les Goombas qui m'ont fait chier. Faites chier les Goombas. Oh, ça c'est nul. 4,46. Là, ce serait bien de voir les... Qui est un espèce de serveur global où on peut voir les temps de tout le monde en classement. Très bien. Faire de s'inspirer. Bah, évidemment, faudra regarder sur YouTube. Est-ce que ça vaut le coup de courir? Ouais, le problème, c'est que si tu cours et que tu te prends le Goomba,
Sachez. Ou alors faut juste courir là jusqu'au sol et puis après. Je pense que t'optimises rien en faisant ça. Ouais, là ça chie par contre. Il va falloir se calmer le coup. Let's go. Oh, 6 secondes, c'est énorme, hein. C'est énorme ce qui se passe. Non, non, faut pas courir. Vraiment courir, je pense que c'est le pire des doses. Faut pas. Interdit de courir. Bon, il te reste que ça, quoi. Non, mais y a moyen de bien timer avec les Goombas pour éviter qu'ils te fassent chier. On a réussi plusieurs fois. Là, on n'arrive plus à faire 3 ou 4 secondes. C'est finito. Ouais, ou alors faut essayer de sauter effectivement sur le Goomba d'abord pour prendre la troisième case. Ça, en vrai, c'est pas mal comme strat. Mais je sais pas si ça descendra en dessous de 3,73. Raté. C'est raté, j'ai sauté beaucoup trop tôt. Ah oui, tu te fous un bloc, tu perds 4 secondes. Littéralement. 3,91. En vrai, peut-être qu'après avoir chopé les Goombas, peut-être courir, mais j'ai peur qu'avec l'inertie... 90. On y arrive, on y arrive. Ah, c'est dommage. Ouais, en fait, il y a un timing à avoir pour avoir le deuxième et le quatrième. Peut-être sauter, ouais. J'ai l'impression que sauter... Ah, chier. On aurait pu mieux s'en sortir. Je pense que sauter directement sous le premier est pas trop mal. 4-20. Je vais essayer de courir quand même jusque... Genre là. Non, on prend le Goomba. On va recommencer. Je vais essayer de courir. Et voir si genre... Ouais, là, il a pas voulu sauter. C'était bien. Non, je pense que courir c'est vraiment pas le dos. Mais ouais, ça va se jouer à... C'est nul. Oh, c'est nul tiers. On va y arriver, ne vous en faites pas. Restez surtout. C'est super important. N'hésitez pas évidemment à partager ce stream aussi. Ça peut être bien. Mais je vais voir pour faire un setup double stream Twitch YouTube. Ça peut être pas mal. Ah, 3,80. Non mais en vrai, faire un bloc sur deux, ça me semble vraiment être la meilleure strat. 3,83. Oui, on y revient. J'essaie de courir quand même. En fait, le problème de courir, c'est que ça t'emmène très loin derrière. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est que ça nous rapproche au max. En vrai, là, une fois que j'ai fait ça, je pourrais courir et retomber dans l'autre sens, mais... pas forcément le dos voulu. Au moins, voilà, mon objectif c'est d'avoir des A au minimum. Si on peut avoir des S, tant mieux. Mais en vrai, hop, c'est déjà bien. Je crois pas qu'il existe de ressources déjà sur le net qui compilent les temps pour savoir entre tel temps et tel temps, tu es là. C'est chiant. C'est bien d'avoir une ressource pour ça. Ça c'est à chier, hein, bien sûr. Ne faites pas ça chez vous. Surtout pas ça. Boudi boudi boudi. 4,15. Hein. 3,73 c'était top, hein, mais... Faudrait revoir comment on a fait. En vrai. Tout est question de... Oh, pourquoi il m'a bouffé le cul, lui? Eh ben ouais, c'est perdu. Je vais revenir en arrière. Il m'a bouffé le cul, bouffé le cul. Il m'a bouffé le cul. Et le jeu me bouffe mon âme, aussi. Allez. Oh. Tout va bien chez vous, j'espère, hein, que vous n'êtes pas en train de faire un AVC.
de ses performances désastreuses. Oh! Oh! Mais t'as pas le bon. Bordel de cul! Ah, j'ai couru. Il a couru! Don't worry, don't worry. It's coming, guys, it's coming! Anytime soon! Oh. Ouais, attendez. Regarde un truc. Si je spam à donf là. Oh, on peut vraiment faire 1 sur 2 hein. Mais faut être dans un bon timing quoi. Ah parce que là il veut pas. Oh ça chie ça, c'est un 10 secondes plus ça. Ah je peux pas taper lui. Ah si. 9-20. Non mais c'est scandaleux ça ce qu'on fait. On avait une bonne strat au début. De sauter quand on est en dessous du premier bloc pour avoir le deuxième, sauter sur les Goombas et avoir le quatrième derrière. Voilà ça. 4-13, voilà. Mais le problème c'est être consistant. Enfin constant, pas consistant. Je suis consistant hein, mais... Faut être constant surtout. Oh le nul. Oh le nulos. Nulos tiers. Encore quelques essais, hein, ne vous en faites pas. Ce calvaire est bientôt fini. Parce que si je saute sous le deuxième, ça le fait pas. J'essaie d'avoir le premier, le troisième et le cinquième. Ça peut être plus simple. Ouais, faut trouver à quel moment. Ouais, il y a les Goombas qui arrivent. Peut-être que c'est plus simple de faire un 3-5 que 2. Non, on se prend le Goomba. Ah, c'est dur d'être constant. Hein. Waouh! 3-91, c'est bien, ouais! Mais. En fait, faudrait trouver un moyen de faire un demi-tour direct. Une fois qu'on a tapé le 4. Ou même le 5. On va y arriver, en fait pas. 98. Ah, je suis désolé, hein, c'est vraiment la vidéo de la lobotomie. Le stream de la lobotomie. Mais nous allons y arriver. Vous en faites pas, hein, demain on fera un autre jeu. On va pas refaire du Taos Principle, ça fait des semaines que je veux en refaire. Et c'est surtout que ça fait 6 mois que j'y ai pas joué. Et bon, maintenant qu'il y a les DLC. Peut-être les... continuer. Ce serait bien. Ah ouais, on arrive à autour des 4, mais on va pas arriver à retomber au niveau de 3 secondes 7, quoi. 3 secondes 8. Ouais, on reste autour des 4 secondes. Il doit y avoir un moyen de freiner. Ouais, là j'ai. Je vais le faire. 3,93. Mais je crois que notre temps 3,73, hein, c'était avec cette technique-là de sauter sur le premier bloc et sur d'avoir le deuxième et le quatrième. Mais je pense qu'en vrai on peut courir. Ouais, alors il faut être doué de ses doigts par contre. C'est mon problème. Ouais, j'ai raté comme pas possible. Et puis même en courant, c'est une toute autre inertie, donc pas si courir, c'est. On reste à 3,81 mais 3,8, mais on n'arrive plus à faire 3,73 quoi.
Et pourtant, 8 centièmes de seconde, c'est 3 frames, hein. Enfin, 30 FPS. Mais c'est un peu moins de 3 frames, d'ailleurs. Je sais pas si je jette en... Non, il est là. Il est en 30 ou en 60? Je sais pas. Sachez. Bon, allez. On va faire le dernier essai, et puis après... Hop. Celui-là, c'est le dernier. Après, on fait un nouveau défi. Regarde, on a déjà 1112 en haut. 3,86. Ah bah ouais, alors, est-ce qu'on peut... refaire voir le record perso? Ah, pourtant c'est ça, hein. C'est la même technique qu'on fait depuis tout à l'heure, mais ça veut... Ok. Économie souterraine 2. Donc, on pourra masser toutes les pièces. Ok, donc c'est... Très bien, ok. Ah ouais. Okay. Ok, je vois le genre. Ah, 8,46 normal. Alors, il faut courir là. Hop. 3,98. Ok, il faudra juste re-accélérer. Ouais, en fait, il faut vraiment attendre. Toucher en bas. 3,8. Faut vraiment un tout petit peu. 3,66. On y arrive, hein. Ah, dommage. Ah, plus, plus. Ça veut dire que peut-être 3 secondes 5, c'est le S. Ça y est. Ils deviennent fous. Ah non, c'est pas 3,5. 3,45, on a encore en A++. A++. Ça, c'est à chier. It is à chier, mon cher monsieur. Ouais, c'est vraiment la première frame dispo sautée. Oh là là. Ben là c'est 3 secondes le S à avoir. Parce que de toute manière on peut pas aller en haut direct. Ouais. Oh, ça c'est bien. Oh, faut vraiment faire un micro son en fait, hein. Faut le lâcher pendant quelques... Dommage. Ouais, là j'ai eu trop un mouvement de recul. Ouais, en fait je pense que à la dernière pièce, faut lâcher l'accélo. Peut-être pas. Je le lâche au moins l'accélo. En fait, je me rends pas compte de ce que je... des touches que je fais. 3,66. Mais ça va pas. Ouais. Oh, c'est à chier, j'arrive plus à faire ce saut. Ouais, je lâche avant. Oh, par pitié. Ouais, ouais, faut le faire. On va y arriver. C'est pas mal. Faut vraiment faire un tout petit saut, hein. Moi, je le maintiens enfoncé, c'est un peu mon problème. Faut vraiment faire plou.
Ça c'est bien. Et pareil, 3,66. J'ai pas réaccéléré. D'où mon 3,76. 6. On va y arriver, hein. Ça va le chat? Je m'en fous du champignon. Je m'en branle! Le chat s'est endormi. Je comprends. C'est tellement perçant. Au 56. Oh, ça chie des bubules. I want to chie some bubules. Oh putain. En vrai, pas trop mal. Juste, j'ai un coup de chaud. N'hésitez pas à vous hydrater. En ce moment, il fait très chaud. N'hésitez pas, c'est super important de vous hydrater. Don't forget. Hydrate yourself, bien sûr. Bon, bien. Ouais, parce que je commence à avoir chaud. J'ai les mains qui transpirent. Pas très agréable. Mais voilà, voilà. Vous avez signé pour ça, vous avez cliqué. Maintenant c'est trop tard, vous êtes otage. Moi aussi, surtout. Non, c'est avec plaisir, mais... Les speedruns, c'est toujours un truc qui m'ont intéressé. J'ai toujours eu envie d'en faire. Et je trouve que le jeu peut être un parfait moyen de s'entraîner à faire certains trucs. Après, franchement, le jeu est pas cher. Il est à 30 balles. Je pense que c'est un bon investissement. Si jamais voilà, ce genre de choses vous intéresse. Je crois pas qu'il existe en physique. Je crois qu'il est seulement sur l'eShop. Ah, c'est dommage ça. Faut que j'arrête de courir. En fait. Genre là, faut lâcher le bouton, ouais. C'est à chier, hein, bien sûr. B++. Est-ce qu'on peut genre avoir C ou D ou... C'est ça, t'as... B++. J'ai envie de tester, genre, en restant 10 secondes sans rien faire. Alors, je ferais peut-être ça en off plutôt qu'ici. Eh, on tourne maintenant autour de 3,60, mais... On fait 3,60 tout le temps. On est devenu constant, mais dans un temps... 3,56. Dans un temps pas foufou. Et c'est très technique, en fait. On dirait pas comme ça, hein. Rappelons que Mario va avoir 40 ans l'année prochaine. J'ai presque envie... J'ai pensé l'autre jour, quand j'étais en vacances à Nantes, je me suis dit, putain, ce serait cool, comme on va faire les 40 ans de Mario l'année prochaine, de faire un espèce de marathon des jeux Mario. Ça pourrait être bien. Mais je sais pas combien de temps ça nous prendrait. Il y a tellement de jeux Mario, et puis... Est-ce qu'on met tous les jeux Mario? Genre les Mario Party, ça se finit pas vraiment. Les Mario Strikes non plus. Faut voir. Une idée à la con, mais pourquoi pas. Ou alors que les Mario Bros. I don't know. Non, je suis nimpe. Olé. Ouais, 3,63, on va pas arriver à faire moins, hein. Enfin, si, on arrive à faire moins, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est chaud. Alors, est-ce peut-être relâcher le bouton de sprint à l'avant-dernière pièce plutôt qu'à la dernière?
Non, parce qu'il part quand même vers... En fait, c'est l'inertie du saut. Ah, ça, c'est bien. C'est bien, mais j'ai pas resprinté. Alors, on va lâcher le sprint à l'antépénultième. Hop, je saute et là, je remets. 361. On tient un truc, je pense. Peut-être que je maintiens mon saut trop longtemps. Faut vraiment que le saut soit tout petit petit. 365. On reste dans ces eaux-là, hein. En vrai, je pense qu'on fait des stats de ça. Ouais, là j'ai lâché trop tard. On n'est pas trop mal. En vrai? Oh non, c'est dommage ça. En vrai, j'ai presque envie de faire des stats sur mes performances. Désolé, c'est mon côté. Matheux qui revient, 3,41, énorme. En fait, c'est la bonne strat. J'ai maintenu trop longtemps. En fait, vous voyez, ce dixième d'écart, c'est vraiment... Je tiens trop longtemps le saut. Alors que je devrais juste faire... Genre ça. Mais vraiment. Vraiment un put. En vrai, je pense qu'on peut s'avancer également. Ouais, là par contre, je me suis pas décalé. Ah ouais, là, mon saut était trop petit. Ouais, donc c'est peut-être pas juste un... C'est un put 3 fois, quoi. Mais ça, c'était pas trop mal. J'ai l'impression de m'être fait bloquer par, par le coin. Oh là. 3,8. En vrai, c'est déjà pas mal, 3,41. Je rappelle que je veux viser seulement le A, le S. C'est vraiment un bonus. Je maintiens trop longtemps. Je suis revenu dans mon travers de merde. Ah ouais. Et du coup, je me décale plus assez. Faut resprinter derrière. Je sprint pas tout de suite. Il y a toujours une espèce de latence qui fait que je ne sprint pas direct. Mon cerveau ne voit pas les frames. Et du coup, on n'arrive plus à refaire du 3-4 comme on a fait tout à l'heure. Ah ouais, non, bah ça chie. Le saut était bien. Mais à chier. Et là, j'ai maintenu trop longtemps. Ah, dommage. Tout petit peu plus long, le saut. Ça, c'est bien. On fait 361. Oh, 48. Là, je me suis senti plutôt pas mal. Oh non, dommage. Ça semblait être bien aussi. Oh non. Allez, j'y arrive plus. Oh. Oui. Pas mal. Ah ouais, mon saut était beaucoup trop long, je suis resté 4 ans dans les airs. Non. Vraiment qu'à l'antépénultième pièce, je lâche tout. Ça c'était bien, mais en fait je pars trop loin. Ouais, ça c'est bien. Et 3,73. Dommage. En fait, faudrait que j'arrive à me déplacer un tout petit peu. Oh non. Oh, c'est dommage, c'était bien. Oui. En fait, j'arrive pas à me déplacer, me dire ouais. 363, allez.
Ça fait encore 3, ça va le faire. On va essayer de faire 3 temps là. Une valse à 1000 temps. Oui. Je suis bourré. Non. Oh, c'est trop longtemps en l'air. J'ai raté la pièce. Ah, c'est tellement des timings au poil de cul. Là, vous voyez, il y a un temps de latence entre le moment où je touche la dernière pièce et le moment où je me retourne. Alors que là, il n'y avait pas de latence, mais j'étais trop loin. Ouais. Ah, j'y arrive plus. Oui. On va y arriver, hein. Et 368, bon. On reste dans les eaux. Enfin, difficile. Ah, ça y est, on monte d'un cran. 1 contre 1-1. Atteignez le drapeau. Ah, faut faire tout le niveau 1. Ok. Ce qui va me faire chier, c'est l'escalier de fin. Parce qu'on a vu tout à l'heure que je le maîtrisais absolument pas, c'est là. Ah ouais, lui, il arrive à sauter. Niveau 1. 1. Donc c'est parti. Okay, évidemment, je cours, hein, faudrait peut-être pas. Voilà. Oh, ça va être scandaleux. Je m'excuse déjà auprès de toute la commu. Non! Oh le con! Le con du cul! Le con du cul! Voilà, c'est là où on va avoir l'escalier dans un instant. Oh ça chie! Oh ça chie! 29-28. Ah ouais, il y a beaucoup d'optimisation là qu'on peut faire. Hein. Alors là, déjà, typiquement, là, relâcher le sprint peut-être. Là, faudrait sauter. On s'en fout, on est plutôt safe. Goomba, Koopa. Goomba. Oh, dommage. Là, on va perdre 3 secondes parce que vraiment, on a fait de la merde. Oh. Là, c'est comme à l'entraînement tout à l'heure. Faut vraiment sauter en bord de pixel. Hein. Vous voyez, malgré le fait qu'on s'est pris le Goomba dans le cul, on a gagné 8 centièmes. Donc en vrai, 27, c'est faisable. Hein. Si on se chie pas. Mais bon, déjà avoir obtenu un A dès le début. Ah ouais, ça c'est bien. Là, je pense qu'on va être à genre 25 si on n'a pas trop d'emmerde. Bon, 26. Oh non, dommage, 27. Ah bah là, infini. Non, 28 peut-être, mais... Trop. Non. Non, à mon avis, il faut pas courir dès le début, c'est une mauvaise idée. Et même là. Ouais, ça c'est bien. Oh oui! 25-7. Putain, faut faire 7-25. We must do... Ça, je sais pas, contre. Moins de 25. Ah, dommage, dommage, saute! Tire! Ça, c'est bien. C'est bien, c'est super. Oh, c'est super ce que tu fais. Non, bon, sauf là. Bon, allez. 25-6. Non, mais sub 25, c'est possible. À mon avis, sub 25, ça va être le A++. Par contre, à mon avis, S, ouais, ça doit être genre 23-24 secondes. Ça
fait, faut penser au nuance de saut, faire un... Ah oui, alors ça, par contre, le rewind qui te fout sur le comp... Le rewind qui te fout sur le Koopa pour bien te défoncer le cul derrière, on adore. Ouais, je glisse. Et ça glisse. Oh, ça chie. Oh, ça chie. 27-01. J'arrive pas à positionner mon pouce comme il faut pour... Ouais, c'était... À la boucle. La boucle, Fernand, j'ai raté mon départ. J'avais sauté dans le trou. C'est dégueulasse? Ouais. Oh, c'est dégueulasse. 28-6, c'est dégueulasse. J'ai raté le départ. Aïe, a raté. Il y a tellement de sauts qui peuvent être économisés là. Ça, c'est bien. Oh, c'est dommage, ça c'est de la merde. J'arrive plus. J'ai... En vrai, j'ai peut-être joué comme ça. Merde! Pardon. Avoir l'index sur A et le majeur sur B. Je me sens déjà plus à l'aise sur l'input. C'est pas la manière conventionnelle de jouer au jeu vidéo, bien sûr. Faut pas oublier que c'est vrai qu'il a une inertie que même quand tu lâches, il se passe un dos. En fait, c'est cet escalier qui m'énerve à la fin. Il faudrait qu'on apprenne à le passer correctement. Dommage. Bon, en fait, faut pas avoir la main lourde sur le bouton de saut. Faut vraiment appuyer tout en douceur. Oui, ça c'est bien. Ouais, là aussi, celui-là est un peu pénible. 23-9. Ouais, donc le S doit être 7-23. En vrai, c'est possible, hein. Il faut une toute petite opti. Un bout de tuyau, ouais. Ah, dommage. Ah, dommage. Oh là là. La double peinée. Ah, dommage. C'est fort dommage. Mais si on arrive à pas se chier sur l'escalier... En fait, je pense que voilà, les niveaux sont faits de manière didactique en te disant bon bah là, tu vas t'entraîner sur l'escalier parce que plus tard tu vas faire le niveau 1-1 de Mario. Et que nécessairement bah tu vas tomber sur ce défi. Ça passe. J'essaie de me concentrer au maximum aussi hein.
Alors déjà que je suis pas très bavard en stream. Si en plus... Oh. J'ai sauté trop tôt. Je me suis perdu. Ah ouais, faut faire ça. Ah, faut faire ça mais pas se prendre le coup pas dans le cul. Ce serait super. Ah dommage. Ça glisse. Dommage. Oh, je tape des moments d'arrêt. Oh, con. Con de toi. C'est dommage. Faut vraiment que je saute au... Paf. Ah, jusqu'où ça marchait? De sauter... Mes tout petits sauts. Avoir des repères visuels en fait hein. Oh. J'ai sauté un peu tard mais c'est oh c'est à chier. Mais je tiens quand même à le faire jusqu'au bout. Bon, sauf quand on tombe dans le vide, évidemment. C'est trop tard. Voilà. C'est bien. Fallait maintenir, fallait maintenir, maintenir, fallait maintenir. Pourquoi j'ai sauté? Pourquoi j'ai sauté? Dedans. Hey. Oui. Oui. OMG, OMG, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Dommage 24-16. On s'est pris le rebord du drapeau. J'ai oublié de maintenir pour sauter plus haut. Ah oui, mais j'ai pas couru, donc forcément je suis en retard. Vous en faites pas. On y est bientôt. J'ai pas sauté. J'ai pas sauté. Ah, parce qu'en fait, entre chaque run, je change la position de mes doigts. Donc il faudrait toujours garder la même manière de jouer, sinon, forcément, ça ne va pas. Mais j'ai un problème de... je pense de... problème moteur de doigts. Je suis pas parti. Mais en fait, j'arrive vraiment pas à jouer avec le pouce. J'arrive pas à positionner mon pouce correctement pour pouvoir jouer. C'est un problème que j'ai depuis longtemps. Pardon ?
pourquoi on passe pas par au-dessus depuis le début. Ouais, j'ai... en fait, mon pouce se décale tout seul. Parce qu'il veut être dans une position... normale. Chose qui n'est pas actuellement. Du coup, j'irai pas. Ça, c'était un saut magnifique, par contre, la fin. Oh. Là, on y arrive. Il faut faire des petits sauts. Je sais pas pourquoi je veux absolument faire des grands. Ça, c'est à chier. Oh, c'est à chier. Oh, c'est tellement à chier. Ça y est, on n'y arrive plus. J'arrive plus à sauter. Allez, on se fait encore 3 essais. Ouais. Ça va être un essai désastreux. Oh non, pauvre pouce là qui est en train de faire n'importe quoi. Ouais, même si on saute au bout. Non, vraiment, j'y arrive pas avec le pouce. Hein. C'est horrible. Est-ce que je vais devoir me mater un tuto de comment jouer avec une manette pour de vrai? Je peux pas jouer avec le pouce. Merde, j'ai pas pris le départ. Peut-être que j'y arriverai plus avec les Joy-Con, je sais pas. Étant donné que les boutons sont plus petits. Parce qu'on fait n'importe quoi. J'essaie de me concentrer. Parce que je sens que je suis pas dedans. Oui, ça c'est bien. Ouais, en fait, j'arrive à faire... Les sauts que j'arrivais à faire avec ma position de dégueulasse, j'arrive pas à le faire avec le pouce. Ouais, ouais. Je galère un peu. J'ai pas ressauté. Et du coup, avec mon pouce, je dose pas le saut de la même façon. Ah! Allez, dernier temps, je vais y arriver. Ouh, c'est dur, hein. Mais c'est mal mis, c'est mal positionné. Oh! Des tout petits clics. Je sais pas sauter. Aïe 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 aïe, à chier hein, on est à chier hein. Bon, très bien. On a quand même eu un S là, c'est énorme hein. Énorme. Bon, dans cette vidéo on a fait du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveaux de Super Mario Bros. On va faire une pause Twitch et puis après on va essayer
le début des The Legend of Zelda. A tout de suite, des bisous, YouTube évidemment.